À la une de l'actualité ce dimanche, l'axe à boisson Noé à la frontière ivoire-ghanéenne bientôt réhabilité. Cela va faciliter le commerce et le transport sur le corridor Abidjan-Lagos et donc renforcer les échanges entre les deux pays. Le Premier ministre a lancé hier les travaux. La journée mondiale de la sage-femme, c'est demain 5 mai. À la veille de cette date, les sages-femmes de Côte d'Ivoire sensibilisent sur le cancer du col de l'utérus. Elles ont organisé des dépistages gratuits. Dans l'est de l'Ukraine, des combats se sont déroulés hier au petit matin. Une accalmie relative a permis aux populations de Kramatorsk de sortir pour s'approvisionner, mais l'offensive de l'armée se poursuit contre les insurgés pro-russes. Voilà pour les principaux points de l'actualité de ce dimanche. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal. Et dans quelques minutes, le magazine du dimanche, la prévention des risques professionnels, la santé et la sécurité au travail. Des notions que M. Awa Nogbu Alphonse va nous expliquer en détail. Bonjour M. Awa. Bonjour madame. Vous êtes secrétaire permanent de l'Observatoire sous-régional des accidents du travail et maladies professionnelles. Merci d'être avec nous et à tout à l'heure. Lancement hier des travaux de réhabilitation de l'axe Aboisso-Noé à la frontière ivoiro-ghanéenne. Il s'agit de faciliter le commerce et le transport sur le corridor Abidjan-Lagos. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé au lancement des travaux. Victorine Yaoyoboué. Dans 24 mois, ce pont sur l'Abia à la sortie d'Aboisso sera remplacé par une structure moderne comprenant 2x2 voies. Pareil à Noé, dernière ville ivoirienne, à la frontière avec le Ghana. Le tronçon routier entre Aboisso et Noé, long de 61 km, sera entièrement réhabilité. Le lancement de ces travaux ce samedi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la place Elingan-Etché d'Aboisso. La réhabilitation de cette route constitue un important facteur de réduction de la pauvreté. L'agriculture vivrière, en particulier l'agriculture développée dans les bas-fonds, la banane plantain, le manioc, dont ces cultures à fort potentiel de production dans cette région, sont rendues sur les différents marchés avec une qualité et une compétitivité améliorées. Le poste douanier de Noé est le premier poste à l'intérieur du pays. Il contribue au développement du commerce intra-régional, en particulier au niveau de la CEDEAO, qui, vous savez, la CEDEAO représente 27% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire en 2012. Coût du projet, selon le ministre des Infrastructures économiques, 22 milliards de francs CFA, financé par la Banque mondiale. L'objectif final de ce projet, la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos, longue d'environ 1000 km. Ce corridor présente un enjeu économique parce qu'il traverse 5 pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. La population le long de ce corridor est estimée à 30 millions d'habitants. Ce sont autant d'éléments qui viendront booster les échanges commerciaux et l'intégration dans la sous-région ouest-africaine. Le ministère des Infrastructures économiques informe les usagers de la route que dans le cadre de la pose d'un portique sur l'autoroute du Nord dans le sens Abidjan-Yamoussoukro, le mardi 6 mai 2014, tous les véhicules partant d'Abidjan ou venant vers Abidjan vont être déviés sur la voie habituellement utilisée pour le sens Yamoussoukro-Abidjan. D'ici la mi-juillet, la Côte d'Ivoire compte émettre un eurobond de 250 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une obligation sur le marché financier européen. Ces ressources vont permettre à la Côte d'Ivoire de financer des projets de développement. Awa Cissé, Alexis Ouedraogo. Primature, en présence du chef du gouvernement, le ministre en charge de l'économie et des finances, des experts de la finance internationale, pour le démarrage officiel des travaux de l'émission inaugurale obligataire d'un montant de 500 millions de dollars, soit 250 milliards de francs CFA. Le lancement officiel de l'Eurobond 2014 pour l'État de Côte d'Ivoire traduit les progrès accomplis par le pays pour rétablir sa crédibilité sur le marché financier international. Cette émission ouvre une opportunité importante à l'État pour la mobilisation des ressources nécessaires à son développement. C'est vraiment une première entrée en matière. Ça nous permet à la fois de rentrer avec succès, avec notoriété et de faire noter la Côte d'Ivoire. Aux côtés du système bancaire national et du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'économie ivoirienne sera maintenant soutenue par les marchés financiers internationaux qui lui offriront une alternative majeure pour le financement du PND, Plan national de développement. Une étape décisive
est franchi ce jour avec la finalisation, la sélection des trois banques co-chefs de file de la syndication pour la levée de fonds. Il s'agit donc de BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank, sélectionnés à l'issue d'une consultation à laquelle étaient conviées, m'a-t-on dit, sept banques de référence mondiale. Le lancement de cette opération marque une étape importante dans la normalisation financière de la Côte d'Ivoire après une très, très longue absence du marché des capitaux résultant de la crise d'endettement des années 1980. Ce plan ambitionne de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020. Le ministre ivoirien de la Communication en visite de travail au Cameroun, le renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays et des échanges avec la presse locale à l'ordre du jour de ce séjour camerounais. Gabriel Zani. À Yaoundé comme à Douala, le ministre ivoirien de la Communication, accompagné de son homologue camerounais, a porté le message du gouvernement aux populations camerounaises. Dans les organes de presse écrites et audiovisuels visités, Afousseata Bambalamine, le porte-parole adjoint du gouvernement, a échangé sur les questions liées à la crise ivoirienne, la réconciliation pour éclairer les Camerounais. Renforcement des relations diplomatiques donc, mais aussi et surtout visite d'échanges d'expériences avec la presse locale, notamment les chaînes de télévision Afrique Média, Equinox TV et Canal 2. C'est depuis le 3 septembre 1962 que la Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques avec le Cameroun. Plusieurs accords cadres ont été signés entre les deux pays, en particulier l'accord institution, la Grande Commission mixte de coopération, dont la seconde session a eu lieu en mars 2014 à Abidjan. Demain, 5 mai, c'est la journée mondiale de la sage-femme. À l'approche de cette date, les sages-femmes de Côte d'Ivoire ont décidé de sensibiliser sur le cancer du col de l'utérus. Des séances de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus accompagnent ces actions de sensibilisation et d'information. Eve Boué, Serge Colléa. Les spécialistes sont formés. Les rapports sexuels précoces et les partenaires sexuels multiples constituent les principales causes du cancer du col de l'utérus. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, révèle que 528 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année dans le monde. En 2012, 266 000 femmes en sont décédées. Quand la femme est contaminée, ce n'est pas tout de suite qu'on détecte qu'elle a été atteinte. Une fois qu'on remarque, une fois qu'il y a des signes tels que les saignements et tout ça, c'est que ça atteint un stade grave. Informer et sensibiliser sur cette maladie, c'est ce qui met les sages-femmes ivoiriennes en ordre de bataille. C'est une maladie pernicieuse. Elle vient silencieusement, sans douleur. La sage-femme intervient surtout à la phase préventive, la sensibilisation pour qu'elle puisse aller se détecter chaque année, faire des biopsies. La population apprécie le bien fondé de cette initiative. C'est important parce que, au fait, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, donc je dois me dépister parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver dans le futur. En tant que jeune fille, je n'ai jamais contacté de grossesse, je n'ai pas encore d'enfant, donc il est mieux pour moi de connaître mon statut. En plus de cette journée de sensibilisation, un meeting précédé d'un défilé rassemblera les sages-femmes de Côte d'Ivoire le 5 mai, jour de la commémoration de la Journée internationale de la sage-femme. Mieux organiser le domaine du service à la personne, c'est l'objectif de l'association des salariés du particulier employeur. L'association a tenu une conférence de presse pour mettre en lumière l'importance donc du service à la personne, notamment le travail des gardiens de maison, les servantes et autres personnels domestiques. Koné Pargasoro, Serge Colléa. Les filles de ménage, les majordomes, les jardiniers, les domestiques subissent souvent la loi de leurs employeurs. S'exprimant hors micro, beaucoup se disent maltraités, relégués au second plan ou tout simplement réduits à leur plus simple expression par les employeurs. Les patronnes, elles sont très mauvaises, elles ne sont pas bonnes. Les filles veulent travailler bien même, c'est les femmes là-même qui ne sont pas bien. Il y a des fois, elles vont te dire, il n'y a pas assez de travail, il y a te payer 30 000 ou bien 20 000, arriver là-bas là. À la fin, même va arriver, ils ne vont même pas te payer. Mango Clarisse est vendeuse de beignets à son propre compte. Tout en reconnaissant les droits des servantes, elle se dit indignée par le comportement de certaines d'entre elles. Elles ont des droits, elles ont des devoirs, comme toute personne. Mais quand on dit non, les femmes maltraitent les servantes, là je ne suis vraiment pas d'accord. Parce que tu peux, quelqu'un qui t'aide à travailler, qui te fait ton affaire, tu ne peux pas la maltraiter. L'association des salariés du particulier employeur, ASPE,
entend organiser et dynamiser le secteur. Une conférence de presse, donc, pour sensibiliser et montrer la place de ces travailleurs dans la société. Elles sont les premières à se lever dans la maisonnée. Elles sont les dernières à se coucher. Je parle des nounous, je parle des servantes pour 15-20 000 francs. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas venir bousculer un peu l'établissement ivoirien. La SAPE veut aussi former les auxiliaires parentales. L'objectif étant de leur permettre de connaître leurs droits et devoirs vis-à-vis de l'employeur. Pour la présidente de l'Association des salariés du particulier, l'État doit pouvoir organiser le secteur en créant une agence de service national à l'emploi de la personne. Une façon aussi de lutter contre le chômage, surtout celui des jeunes. 12 personnalités de Gagnoa, distinguées ambassadeurs de paix. Elles sont toutes envoyées en mission pour la paix et la cohésion sociale dans leurs milieux respectifs de cette zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Thérèse Yoboué. La Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, a décidé de jouer sa partition dans la recherche de la paix et la cohésion sociale dans la région du Go. Elle a distingué pour cela 12 personnalités de la localité ambassadeurs de paix. Des administrateurs civils, des opérateurs économiques locaux, des guides religieux, des hommes politiques figurent parmi ces ambassadeurs de paix. L'ancien sous-préfet central de Gagnoa, Gose Ignace Désiré, a été distingué à titre posthume. Au nom des récipiendaires, le préfet Rémi Nzikanga a exprimé sa gratitude à la Fédération pour la paix universelle et exhorté ses pairs à saisir cette distinction comme une mission pour la promotion de la paix autour d'eux. En élevant ses personnalités au rang d'ambassadeurs de paix, la Fédération pour la paix universelle du révérend Moon veut les impliquer davantage dans les actions de paix à Gagnoa. Cela dans le respect des 5 principes universels de paix, dont la coopération qui transcende les barrières ethniques, religieuses et nationales. Les femmes de la diaspora burkinabé planchent sur l'entrepreneuriat féminin et le problème de l'accès des femmes au financement de leurs projets. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme qu'elles ont choisi de commémorer ce samedi 3 mai. Ami Sissoko, Franck Kouadio. Défilé pour marquer la volonté de se prendre en charge. C'est le message des femmes de la diaspora burkinabé lors de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Thème, entrepreneuriat féminin, problématique de financement des activités économiques des femmes. Un thème choisi dans l'optique d'approfondir les réflexions pour des actions concrètes en vue de l'autonomisation économique des femmes burkinabé résidant en Côte d'Ivoire. La femme doit être célébrée. On a eu la chance quand même dans ce monde que Dieu nous a permis que la femme soit célébrée. La femme, c'est le pilier de la famille. Donc, il y a un moment de la vie quand même qu'il faut s'arrêter pour célébrer la mère de l'humanité. La femme, c'est la réconciliation, c'est l'amour, c'est la vie. Donc, je lance un message de paix, d'amour et surtout de courage. Parce qu'elles doivent sortir de la pauvreté. Et c'est la lutte qu'on fait tout le temps pour qu'elles puissent sortir de la pauvreté et s'occuper de leur famille. Et les femmes sont très nombreuses. Elles sont trop nombreuses dans toutes les activités socio-économiques, mais ce que nous remarquons, c'est que très peu de femmes réussissent à créer des entreprises, réussissent à être des chefs d'entreprise. Donc nous, aujourd'hui, le message que nous avons, c'est d'exhorter donc les institutions financières à faciliter, à trouver des initiatives pour permettre aux femmes de créer des entreprises et de pouvoir être des femmes d'entreprise. Nous voulons aujourd'hui des mamans chefs d'entreprise. La Journée internationale de la femme est officialisée par les Nations Unies depuis 1977. Célébrée le 8 mars de chaque année, elle peut être observée n'importe quel jour de l'année. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leur réalisation. La Journée internationale de la femme est aussi une occasion de faire le point sur la lutte et préparer l'avenir. Les femmes, ouais, elles ont décidé de se mobiliser pour la réconciliation nationale. À cet effet, une journée de réconciliation et de solidarité nationale pour en finir avec les divisions et désaccords. Christelle Ménant. Elles viennent de l'ouest montagneux et se sont donné rendez-vous au complexe sportif de Yopougon pour une journée de réconciliation et de solidarité.
Des centaines de femmes mobilisées par Dédi International. L'ONG existe depuis 2012, rassemble près de 4000 membres et œuvre à la réconciliation et à l'entraide des femmes ouais. La crise a touché vraiment les femmes ouais. Beaucoup se sont déplacées, d'autres ne retrouvent plus les enfants, d'autres ne retrouvent plus leurs maris. En cela, j'ai décidé de venir vers ces femmes et ensemble, quand les femmes sont occupées à travailler, à chercher de l'argent, elles ont le temps d'aller à la réconciliation. Parvenir à une réconciliation nationale véritable en renforçant la cohésion sociale à l'intérieur des différents groupes qui composent la Côte d'Ivoire, mais également entre ces groupes. C'est une des raisons qui justifie la caution apportée à cette cérémonie par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Dans la crise que la Côte d'Ivoire a connue, vous savez que la zone qui a été la plus meurtrie, c'est la zone de l'Ouest, et plus particulièrement la communauté ouest. Et là où on va parler de solidarité, de réconciliation pour cette population-là, vous comprenez que c'est une aubaine pour le gouvernement de Côte d'Ivoire de s'impliquer ardemment, de sorte à faire que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent se réconcilier et d'aller en avant pour le progrès de ce pays. La cérémonie a été aussi l'occasion de procéder à l'intronisation de la présidente de l'ONG sous le regard du maire de Séguéland et d'autorités ivoiriennes. Les violences basées sur le genre, cas de la femme musulmane, sujet principal de la deuxième édition de la journée de la militante, une initiative de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Il a été question d'expliquer aux femmes que la violence, quelle qu'elle soit, ne fait pas partie de l'islam. Ben Touré, Franck Kouadio. Une journée pour sensibiliser et inciter à la prise de conscience. Voilà l'objectif de la deuxième édition de la journée de la militante AIM6 Jima 2014. Une journée qui traite de la question des violences basées sur le genre, cas de la femme musulmane. La religion musulmane est une religion de paix, est une religion où le prophète de l'islam a toujours conseillé le bien-être dans la famille et la violence n'a pas sa place dans la communauté. L'hygiène corporelle de la femme fait partie de ses atouts pour maintenir son foyer et nous avons tenu également un atelier pour cela. Le port du voile, la difficile insertion socio-professionnelle, la marginalisation, autant de préjugés que les femmes musulmanes se doivent de surmonter selon l'autorité spirituelle. Il y a beaucoup de préjugés qui sont sur les femmes musulmanes. Nous avons voulu montrer comment la jeune fille musulmane peut vivre aisément son islamité. Nous avons voulu aussi qu'elle sache quels sont leurs devoirs vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses imams, vis-à-vis de leurs parents, afin qu'une fois qu'elles deviennent des femmes de foyer, afin qu'elles puissent s'assumer sainement sur le plan comportemental, afin qu'elles puissent présenter une belle image de l'islam. Les participantes à cette deuxième édition de la journée militante AM6 disent toutes œuvrer pour qu'au-delà du voile, les valeurs intellectuelles soient reconnues et respectées. Comment prendre en charge un enfant handicapé intellectuel? La Page Blanche, établissement spécialisé dans le domaine, a initié une journée porte ouverte afin d'informer principalement les parents. Christelle Menant. Mes amis et moi, nous vous souhaitons la bienvenue à notre journée porte ouverte. Et merci pour votre soutien. Avec vous, nous existons. Ils sont victimes de handicap intellectuel, autisme, trisomie, épilepsie, polyhandicap. Tous ces enfants ont un besoin commun, un accompagnement personnalisé afin d'acquérir le plus d'autonomie possible. Et c'est ce que cet établissement leur offre. La Page Blanche a ouvert ses portes et donne la possibilité aux visiteurs de mieux appréhender les déficiences intellectuelles de ces enfants. Les gens n'ont pas le regard qu'il faut sur le monde du handicap en général. Les handicapés, chez nous, sont vus comme des pestiférés, alors qu'un enfant, comme le disait Dr Dem, un enfant a besoin d'être entouré, a besoin d'amour surtout, et c'est ce qu'on essaie de donner ici au niveau de la Page Blanche. Des enfants à ne pas exclure et à qui il faut permettre de s'insérer socialement en leur offrant une prise en charge adéquate. L'autonomie, c'est quelque chose d'important. Ça permet à une personne de pouvoir se prendre en charge dans les gestes quotidiens, se tenir correctement, satisfaire à ses besoins personnels. Et je pense que de ce point de vue, c'est tout à fait positif ce que la Page Blanche a pu apporter. Et il serait souhaitable que beaucoup de parents qui sont désemparés puissent s'adresser à ce type d'institution qui assure à l'enfant les meilleures capacités d'autonomisation.
Ils ont dansé, chanté et exposé leurs créations artistiques. Les enfants de la page blanche s'en sont donnés à cœur joie à l'occasion de leur journée porte ouverte. Pour montrer à tous que le handicap intellectuel n'est pas une maladie mentale, mais juste un état. Un mouvement cybermilitant, l'idée originale de jeunes gens nés pendant la crise post-électorale pour promouvoir leurs idéologies politiques. Ces militants du Rassemblement des Républicains ont récompensé les membres les plus actifs, histoire de booster leur action sur la toile. Doigt des lasers. L'Internet, moyen universel de communication, est saisi par les opérateurs économiques et hommes politiques pour toucher le maximum de leurs cibles. Pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, cet outil d'information a été utilisé par les cybermilitants pour défendre la cause du Rassemblement des Républicains, RDR, et son candidat Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Paris gagné, des diplômes du mérite leur ont été remis en guise de remerciement pour le combat de la démocratie. Il faut définir un cadre de travail pour mettre ensemble les internautes autour d'un idéal et en même temps faire des propositions, parce qu'il ne faut pas soutenir pour soutenir, mais il faut comprendre la politique du gouvernement avant de pouvoir mener les débats dessus. Un geste salutaire selon les récipiendaires. Aujourd'hui, tout se passe par Internet. Ça contribue éventuellement non seulement à notre politique, mais à l'ouverture d'esprit de nos populations. Tout le monde n'était pas internaute. Mais aujourd'hui, grâce à cette ouverture, cela est en train de se faire ressentir sur le territoire ivoirien. Ce qui déjà contribue aussi à enraciner la démocratie dans notre pays. Fassions l'effort de sortir de la violence politique, de la haine de l'autre. La haine de l'autre qui produit toujours des conflits et des conflits qui envoient la guerre. Nous approchons une nouvelle élection présidentielle. Je souhaite que les Ivoiriens travaillent tous à l'apaisement du climat politique. Cybermilitant est une association qui a pour vocation de promouvoir la démocratie et la justice en Côte d'Ivoire. Elle compte plus de 1000 membres qui partagent des informations sur la situation politique en Côte d'Ivoire à travers les réseaux sociaux. À Odienné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'heure est à la sensibilisation autour de l'opération de recensement général lancée par le gouvernement. Il s'agit d'informer les populations sur son bien fondé afin de mettre fin aux difficultés rencontrées par les agents recenseurs. Soro Sianfolo, Thérèse Yoboué. Odienné, Bieleban, Séguélon, Madinani, Samatigila, Bako, Diblatédougou, Seydougou sont, entre autres, localités visitées par les délégations du Conseil régional du Kabadougou. Le but de cette visite, faire l'état des lieux de l'opération de recensement dans le Kabadougou et sensibiliser chefs traditionnels et religieux et notabilités sur le bien fondé de cette opération en cours dans le pays. À Séguélon, deux réunions présidées par le préfet ont permis de faire avec les populations, le président du Conseil général, les agents recenseurs, un bilan à mi-parcours de cette opération. Sur 20 500 habitants pour 1 800 ménages, seulement 30% de la population a été recensée suite à des difficultés. Décharge intempestive des appareils de saisie, déficit de communication des résultats journaliers du recensement aux coordonnateurs, conditions difficiles de travail. Le préfet du département et le député de Séguélon ont exhorté tous les acteurs de l'opération de recensement à la célérité au travail, non sans avoir proposé des solutions concrètes aux insuffisances relevées. Des comités de veille chargés d'informer en temps réel toutes les parties prenantes d'éventuels problèmes ont été mis en place. Le président du Conseil régional du Kabadougou, Kone Souleymane, a exprimé sa disponibilité à apporter son appui aux agents recenseurs pour la réussite de l'opération. Un prix national du meilleur agent de développement de Côte d'Ivoire pour les travaux publics. L'objectif est d'exhorter les Ivoiriens à s'engager dans le développement économique et social de leur région, et ce, au profit des populations. Le reportage de Kader Sogodogo. Le développement de proximité constitue le socle du développement de toute la Côte d'Ivoire. Pour amener les cadres à s'engager pour le développement économique, social et culturel de leur localité, il a été initié dans la région du Poro le concours du meilleur artisan du développement local. Les initiateurs de ce projet veulent lutter contre la pauvreté en milieu rural et le sous-développement. Yves Némé, initiateur du projet Cadre d'or, a soutenu que cela va encourager les cadres qui s'investissent dans les actions de développement de leur région. Le choix du meilleur cadre a été fait après enquête auprès des populations
Pour cette première édition, c'est Abou Nibi Koulibaly qui a été déclaré lauréat. Cet artisan du développement local a été choisi au vu des nombreux projets de développement initiés en faveur des populations du nord du pays, notamment la construction d'écoles, centres de santé et le projet d'activité génératrice de revenus pour les femmes et les jeunes ruraux. Cette initiative doit faire école dans les autres régions du pays afin de pousser le développement local. Le kokoma, une nouvelle spéculation de l'agriculture ivoirienne, elle est particulièrement importante puisque 10 000 producteurs en vivent. Mais cette spéculation agricole est en crise depuis 2008. Les conséquences sont sans précédent pour les producteurs. Noël Niagno s'est intéressé au sujet. Le kokoma, en abouré, ça se mange. Enfin, chacun a pu faire l'expérience du kokoma, fruit comestible. Au-delà de cette approche, le kokoma ou amadier des tropiques est une spéculation agricole aux potentialités insoupçonnées. Un facteur de reboisement et de lutte contre l'avancée du désert. Maintenant, le paysan peut avoir quand même un revenu avec le fruit des récoltes qui viennent trois fois dans l'année. En dehors des fruits, nous avons les feuilles qu'on peut utiliser pour faire de la tisane, de l'aliment du bétail jusqu'au poisson et même du fertilisant. Et nous avons aussi le tronc. On peut l'utiliser en ébénisterie. L'amandier est toujours verdoyant et touffu. Au moment où les autres arbres perdent leurs feuilles, l'amandier, c'est là même, il s'habille même en feuillage. Pour toucher du doigt les réalités de l'exploitation de l'amandier des tropiques, ou kokoma, nous nous sommes rendus dans la région d'Abouasso-Komoué, dans le département d'Alépé. Berthe Siono, avec sa famille, exploite 10 hectares de kokoma depuis 2001. De 2006 à 2008, il a goûté aux premières retombées du kokoma. Mais avant là, deux fois, trois fois j'ai vendu. Deux ou trois fois tu as vendu combien, un kilo? 430 francs. Tu as gagné un peu l'argent. C'est bon. De 2008 à aujourd'hui, le kokoma ne trouve plus preneur. Et Berthe Siono est soucieux. Toute sa production des cinq dernières années est menacée. Il en appelle à la générosité des pouvoirs publics. Comme Berthe Siono, ils sont 8000 producteurs de kokoma à travers la Côte d'Ivoire qui sont impactés par la mévente de ce produit. Dans l'est de l'Ukraine, l'offensive de l'armée se poursuit contre les insurgés pro-russes. Des combats se sont déroulés hier au petit matin à Kramatorsk. Une accalmie relative a permis aux populations de sortir pour s'approvisionner. Mais l'offensive de l'armée se poursuit contre les insurgés. À Donetsk, en réaction de l'offensive de Kiev, les séparatistes ont lancé un nouvel appel à la mobilisation. Retour en Côte d'Ivoire pour parler culture, une fondation ivoirienne sur les grandes scènes de festivals dans le monde. Cette compagnie de danse a remporté plusieurs trophées pour le compte de la Côte d'Ivoire. Le bilan de son parcours après une tournée mondiale avec Serge Colléa. La compagnie RMD a été créée en 2003. Cet ensemble artistique pluridisciplinaire excelle dans la danse et la musique traditionnelle et contemporaine. Une dizaine de distinctions et de prix au niveau international meublent la carrière artistique de la compagnie RMD. Jusqu'à l'année 2013, nous avons glané 13 trophées. Nous partons en Europe pour une tournée à durée indéterminée. Monsieur le ministre a déjà pris en charge les premiers billets d'avion, mais on demanderait encore au ministère de faire plus. À l'occasion de la présentation de toutes les distinctions de la troupe au ministère de la Culture et de la Francophonie, la compagnie RMD a donné la pleine mesure de son talent. Et Monsieur le ministre de la Culture de la Francophonie est justement porté sur la qualité. Et c'est pour cela que Monsieur le ministre a accepté justement d'accompagner la Fondation RMD. La compagnie, désormais appelée Fondation RMD, fait de la recherche musicale en matière de danse et d'expression corporelle. 11 ans après sa création, la Fondation RMD est membre du Conseil international de l'UNESCO et entend porter haut les couleurs de la culture ivoirienne et des cultures du continent africain.
Le magazine du dimanche est aujourd'hui consacré à la prévention des risques professionnels, à la santé et à la sécurité du travail. Pour en parler, M. Awa Nogbu Alphonse. Bonjour, M. Awa. Bonjour, madame. Vous êtes secrétaire permanent de l'Observatoire sous-régional des accidents du travail et maladies professionnelles. C'est ça. Alors, l'Observatoire agit dans toute la sous-région. Avant de revenir au cas de la Côte d'Ivoire, quel est l'état des lieux dans tous ces pays? Alors, l'Observatoire sur-régional des accidents du travail et des maladies professionnelles a été évolu par les dirigeants de l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels. Il faut dire que l'Interafricaine est une association africaine qui regroupe 15 pays membres. Donc, vous êtes le secrétaire général. Donc, je suis le secrétaire général. Et l'Observatoire sur-régional est un organe spécialisé de l'Interafricaine. Alors cet observatoire est une structure qui est mise en place pour gérer les données d'information sur la santé et la sécurité au travail. Il fédère les données de 15 pays membres de l'Interafricain. Alors quel point on peut faire sur tous ces 15 pays-là? Alors au niveau des 15 pays, il faut dire que l'observatoire sous-régional a été mis en place en Côte d'Ivoire en décembre 2007. Et à partir donc de la tenue de la plénière, nous avons commencé à fixer les cadres institutionnels des observatoires pays afin de doter les observatoires des pays d'instructions, de structures à même de pouvoir gérer au quotidien les activités de l'observatoire national de chaque pays. Aujourd'hui, il faut dire que nous avons à peu près 7 pays qui ont des points focaux au niveau donc de la sous-région et qui travaille en relation avec l'observatoire sous-régional qui est basé à Abidjan. La Côte d'Ivoire fait partie? La Côte d'Ivoire a un observatoire national et en 2013, le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris un décret qui formalise l'institution de l'Observatoire national des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et cet observatoire est logé à la Caisse nationale de prévoyance sociale. D'accord. Avant de parler de ce cas-là en particulier, nous allons revenir sur la notion de risque professionnel, de santé, de sécurité au travail. Que renferment ces termes? Il faut dire que ce sont des notions qui peuvent sembler évidentes. À proprement parler, ce sont des concepts qui sont utilisés par le commun des mortels, mais en réalité ramenés à notre discipline, il ne semble pas si évident que cela à définir. Pour parler de risque, il faut d'abord parler de danger. Et le danger s'appréhende comme étant la capacité intrinsèque d'une substance qui peut être en relation avec le thème des journées, de la journée mondiale, une substance chimique, qui est susceptible de causer des dommages. Et le risque s'appréhende donc comme étant la rencontre entre l'homme et le danger. Et donc, on dit que le risque, c'est la probabilité de survenance du dommage. Il est fonction de la gravité potentielle, il est fonction du temps d'exposition, et c'est par rapport à ce temps d'exposition qu'on parlera de maladies professionnelles. Et pour éviter donc ces maladies professionnelles, est-ce qu'il y a des normes en la matière en Côte d'Ivoire? Il y a des normes. Ce qui impacte l'activité, ce sont les dispositions du Code du travail, du Code de prévention sociale et des normes spécifiques selon les secteurs d'activité. Et ces normes sont applicables selon les secteurs d'activité. Et justement, l'État du Côte d'Ivoire, dans ses obligations régaliennes, a l'obligation d'assurer l'égal droit la santé, la sécurité pour tous les travailleurs et surtout de préserver l'intégrité physique et morale des travailleurs. Et ce cadre-là, pour le mettre en application, est régi par, organisé autour des organismes de contrôle que sont l'inspection du travail, l'inspection médicale du travail et la CNPS, qui est une structure justement de conseil qui veille à la promotion de la santé et sécurité du travail en Côte d'Ivoire. D'accord. Ce cadre-là qui a été mis en place, est-ce qu'il est, on peut dire qu'il est respecté? Alors, il faut dire que, au vu des résultats que nous avons enregistrés au niveau de l'institution de sécurité sociale, nous pouvons dire que plus de 50% des entreprises respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
parce que justement la santé et sécurité au travail est régie par un ensemble de tests et d'obligations qui fondent le besoin pour les entreprises de se faire reconnaître et d'aller donc vers une certaine certification. L'on parle de la certification OSAS 18001 en matière de santé et sécurité au travail et la certification en matière également de l'environnement du travail. Et les entreprises ont compris qu'il y a plus besoin de faire de la prévention que de ne pas en faire, parce qu'un accident coûte cher, un accident c'est la destruction du patrimoine, un accident c'est autant de temps perdu, ça a un coût humain, a un coût économique et a un coût social. Et donc, les entreprises elles-mêmes qui ont compris la nécessité de faire la prévention font de la prévention sans que l'action régalienne ne s'applique à elles. Mais monsieur Hawaï, les 50% d'entreprises qui ne rentrent pas dans ce canevas-là, qu'est-ce qui est fait? Alors, pour les 50 autres entreprises, je pense que les journées, justement, et l'action des organismes de contrôle et l'action de la CNPS visent à les sensibiliser. Nous avons changé un peu de paradigme par rapport au concept moins d'actions contraignantes, mais plus promouvoir une culture de sécurité à l'entreprise, promouvoir la productivité, faire comprendre à l'entreprise que la prévention conduit à une meilleure productivité pour l'entreprise. Et donc, je pense que ce concept de conseil et de prévention peut permettre à l'entreprise de s'engager dans une démarche de progrès. Et on sait que les employeurs ont des obligations pour la sécurité de leurs employés, mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que les employés, eux aussi, ont des obligations. Quelles sont ces obligations-là? Absolument, parce que le monde du travail est régi par un ensemble de droits et d'obligations. L'obligation d'assurer la sécurité incombe à l'employeur, mais le salarié, lui, également, a l'obligation et le devoir de suivre les instructions mises en place pour gérer au quotidien la sécurité. C'est pour cela que, justement, le législateur a prévu une structure qui permet à l'entreprise, aux travailleurs de s'impliquer dans leur propre sécurité. C'est le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail pour lequel l'Interafricaine, la CNPS et les structures, les organismes de contrôle essaient de promouvoir leur installation. Et ces comités d'hygiène-là, ils sont gérés par le personnel lui-même? Alors, au niveau du comité d'hygiène, c'est une structure paritaire qui implique l'employeur en tant que garant de la sécurité des travailleurs et les travailleurs en tant qu'acteurs de leur propre sécurité. Il met donc ensemble l'employeur et les travailleurs dans un cadre social pour favoriser le dialogue social. Parce que dans le cadre du comité d'hygiène, les travailleurs sont eux-mêmes acteurs de leur propre sécurité. Et parlons donc des obligations de ces employés-là. On peut citer par exemple le port des masques dans les domaines, par exemple, où l'air peut être pollué. Absolument. Alors là, vous parlez d'un domaine assez sensible, c'est la protection des salariés. La protection peut s'envisager à deux niveaux. La meilleure protection, c'est la protection intrinsèque, qu'on supprime le risque. Mais lorsqu'on ne peut pas supprimer le risque, on peut réduire ou contenir. On parlera de la protection collective. Et la protection individuelle, c'est celle qui est portée par le salarié. Le salarié a l'obligation de porter les équipements mis à sa disposition et de respecter justement les dispositifs de sécurité qui sont prévus pour contenir et le protéger. Mais il faut dire que la mise en action de ces mesures obéit à un principe de hiérarchisation des mesures et la meilleure mesure, c'est la protection collective qui ne dépend pas de la volonté du salarié. Mais quand on ne peut pas faire autrement, alors on va vers la protection individuelle qui est le port du masque, le port des chaussures, le port des gants et le port des équipements qui protègent l'individu lui-même. D'accord, mais et quand bien même toutes ces précautions sont prises et qu'un accident du travail survient, quelle est la procédure? Alors, l'accident du travail peut être compris comme l'échec de la prévention. Parce que la prévention, justement, vise à mettre en place des moyens pour prévenir, pour éviter, disons, l'atteinte de l'intégrité physique du salarié. Alors, lorsque l'accident survient, du fait du lien d'indubitabilité qui lie l'employeur et le salarié, l'employeur est responsable de tout accident survenu au sein de l'entreprise du fait de sa somme survenance
nonobstant les actions juridiques qui peuvent être évoquées plus tard pour évoquer la faute inexcusable ou la faute intentionnelle. Dans ce cadre-là, il appartient à l'employeur de déclarer l'accident. Il a 48 heures. Si l'employeur ne déclare pas l'accident dans les 48 heures, le salarié a 2 ans pour faire la déclaration. Je voudrais préciser en la matière que, justement, parfois, on nous pose le problème des travailleurs journaliers qui ne sont pas immatriculés. Il faut dire que la relation de travail se consacre à partir soit d'un contrat de travail, dûment signé, ou alors de la preuve d'un travail rémunéré. Et donc, pour tout travailleur rémunéré, du fait de la rémunération, est couvert par la législation en matière d'accident de travail de maladie professionnelle. Mais dans ce cadre-là, qui donc veille à l'application des droits de l'employé qui a été victime de l'accident de travail, si par exemple son employeur ne le déclare pas? Mais je pense que tout ceci rentre dans la relation avec les organisations syndicales dans l'entreprise qui ont également pour mission de veiller au bien-être des salariés, nonobstant les autres missions que le syndicat aura conduit. Il y a également le comité d'hygiène qui peut être saisi de ces cas de dysfonctionnement pour, dans le cadre d'une sensibilisation des employeurs, favoriser donc le processus de déclaration des accidents de travail. Et il y a également la CNPS et les organismes qui sont les organismes partenaires qui veillent à la sensibilisation des travailleurs. Comme l'Observatoire, par exemple? L'Observatoire est une structure de collecte d'informations. Et justement, dans le cadre de la mobilisation des informations, l'Observatoire va conduire des actions de formation, de sensibilisation et surtout de mise en place des indicateurs pour mesurer les performances des entreprises et surtout pour permettre aux décideurs de mieux formuler les politiques de prévention en entreprise. Alors, M. Awa, quels sont les domaines les plus sensibles? Quels sont les types d'activités où c'est plus probable d'avoir des accidents du travail, où les employés sont le plus exposés? Alors, il n'y a pas à proprement parler de domaine où il n'y a pas de risque. Vous voyez, tous les domaines, dans toute activité professionnelle, il y a des risques. Mais il y a peut-être la graduation des risques. Et je pourrais dire, si l'on tient compte des critères de gravité et potentiel des risques, le secteur des BTP est un secteur accidentogène. Le secteur agroforesterie est un secteur également accidentogène. Et justement, le thème de la journée mondiale qui parle des risques chimiques met l'accent justement sur la gestion et les effets de ces produits, de ces substances que l'on utilise dans le secteur agricole. On peut parler également d'autres secteurs, le secteur de transport, eu égard au non-respect des principes du code. Je pense que ces trois secteurs sont des secteurs vraiment accidentogènes. On ne peut pas occulter également le secteur de la téléphonie, qui rentre dans un secteur également des BTP, mais généralement on parle de bâtiments, travaux publics, télécommunications, transport, ainsi de suite. Mais vous avez parlé tout à l'heure des journées africaines de la prévention des risques professionnels. Elles se sont tenues en avril dernier. Qu'est-ce qui en ressort? Alors, au niveau des journées, nous voulons d'abord rappeler que ces journées ont été instituées en 1996 par l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels et la journée mondiale par l'Organisation internationale du travail. Au cours de ces journées, nous avons eu à débattre de 2 thèmes majeurs. Le premier thème concernait la sécurité et la santé au travail dans l'industrie chimique en entreprise et le second thème sur les comités d'hygiène. Il est ressorti que l'emploi des produits chimiques se généralise tant au niveau domestique qu'au niveau professionnel. Mais nous connaissons également les effets néfastes de ces produits chimiques. Il y a plus de 100 000 substances chimiques qui peuvent donner lieu à des mélanges qu'on retrouve sous forme de pesticides, sous forme alimentaire, sous forme de médicaments, d'emploi courant. Et donc, il y a nécessité de pouvoir gérer tout ceci dans un cadre réglementaire assez bien structuré et surtout donner l'information aux usagers et aux professionnels pour qu'ils puissent s'en prémunir.
D'accord, on va dire que l'information a été donnée, même si ce n'est pas complètement. Je rappelle que nous recevions M. Awanobu Alphonse, secrétaire permanent de l'Observatoire sous-régional des accidents du travail. Merci M. Nobu. Nous retenons aussi que le comité d'hygiène est un aspect clé pour la prévention et même la gestion des accidents de travail. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Très bon dimanche sur RTI 1.